trouvez un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé et installez-vous confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. L'essentiel est que vous soyez parfaitement à l'aise. Commencez par inspirer profondément. Retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez. Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Concentrez-vous sur votre respiration. Elle est calme, profonde. À chaque respiration, vous vous laissez aller de plus en plus profondément. Vous n'avez rien à faire maintenant. Rien à penser. Simplement à écouter le son de ma voix vous détendre de plus en plus profondément et vous emmener dans un état de relaxation totale, mentale et physique. Tout dans notre univers, de la particule la plus infime à l'étoile la plus éloignée, est fait d'une énergie vibratoire, y compris vous. Et lorsque votre système énergétique fonctionne mal, des problèmes apparaissent au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Aujourd'hui, nous allons ensemble agir sur votre énergie vibratoire et influencer positivement vos corps subtils. Vous êtes toujours concentré sur votre respiration, qui est de plus en plus calme, et vous êtes de plus en plus détendu. Vous commencez maintenant à tomber dans un état profond de calme et de sérénité. Au plus vous êtes calme, au plus vous êtes réceptif au son de ma voix. Dans quelques instants, je vais compter de 5 à 1. Lorsque j'atteindrai le chiffre 1, vous tombez dans un sommeil profond. Lorsque vous entendez le chiffre 1, votre esprit est totalement réceptif aux phrases positives que vous entendez. Vous êtes maintenant complètement détendu, totalement décontracté. Et votre esprit, lui, est totalement réceptif. Ensemble, nous allons maintenant influencer positivement vos 7 principaux chakras. Commençons par le premier. Le chakra racine. Il est situé au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale, et il est tourné vers le sol,
Sa principale fonction est de vous enraciner à la terre-mère pour être en totale harmonie avec la vie. Imaginez une lumière rouge qui passe au niveau de votre périnée, à la base de votre colonne vertébrale. Cette lumière rouge est chaleureuse. Elle vous fait du bien. Elle vous rappelle que vous faites partie de cet univers incroyable. Prenez quelques instants pour débloquer cette énergie et vous enraciner à la terre-mère. Le deuxième chakra, le chakra sacré, est situé entre l'os pubien et le nombril. Le déséquilibre ou le blocage du deuxième chakra se traduit entre autres par un manque de motivation, une baisse de votre libido, un manque d'assurance. Ce chakra est responsable de votre créativité, de votre passion, de votre joie de vivre. Imaginez une lumière orange qui passe entre votre os pubien et votre nombril. Cette lumière orange augmente naturellement votre vitalité, votre joie, ainsi que vos relations avec les autres. Vous ressentez une émotion positive et votre santé sexuelle est parfaite. Cette lumière orange vous fait vraiment, vraiment du bien. Prenez quelques instants pour débloquer cette énergie et ressentir votre deuxième chakra.
Nous allons maintenant influencer votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Il est situé sous votre poitrine, au-dessus de votre estomac. C'est l'un des chakras le plus fréquemment déséquilibré, car il est le centre des énergies et des émotions. Il se laisse très souvent déborder par le stress émotionnel. Ce chakra est la source de votre pouvoir personnel, de votre détermination et de votre capacité à passer à l'action. Imaginez une lumière jaune au niveau de votre ventre, sous la poitrine et au-dessus de votre estomac. Cette lumière jaune vous réchauffe et vous calme totalement. Ce chakra est le centre de vos émotions. Son équilibre vous permet de vous sentir formidablement bien. Prenez quelques instants pour laisser cette lumière jaune agir positivement sur vos émotions. Nous sommes maintenant au niveau de votre quatrième chakra, le chakra du cœur. Le chakra du cœur se situe dans la poitrine. Il permet de connecter les chakras du bas du corps avec ceux du haut. Une manière de rassembler les énergies physiques et spirituelles. Il assure la connexion entre le corps et les émotions. L'amour, la compassion, l'amitié sont reliés au chakra du cœur. Imaginez maintenant une lumière verte au niveau de votre cœur. Cette lumière vous fait vraiment du bien. Vous ressentez la puissance de cette lumière verte sur votre cœur. Vous ressentez une vague d'amour et de compassion vous envahir. Prenez quelques instants pour vraiment profiter de cette lumière.
Le cinquième chakra est situé dans le creux de la gorge. C'est le centre de la communication, de l'expression de soi, de la créativité. Son déséquilibre ou son blocage explique la timidité, la peur du jugement des autres. Imaginez une lumière bleu ciel qui est focalisée au niveau de votre gorge. Vous ressentez cette puissante lumière agir sur votre chakra de la gorge et purifier totalement cette énergie. Laissez cette lumière bleu ciel influencer positivement votre cinquième chakra. Prenez quelques instants pour vraiment profiter de cette lumière. Le sixième chakra ou troisième œil se situe entre vos sourcils, au niveau de la racine du nez. Ce chakra est le siège des forces mentales supérieures, favorisant les perceptions extrasensorielles, l'intuition, l'imagination. Son déséquilibre ou son blocage se manifeste par un manque de conscience ou encore par un complexe de supériorité intellectuelle. Imaginez une lumière indigo fixée entre vos sourcils. Cette lumière bleue purifie votre troisième œil. Elle est suffisamment puissante pour débloquer votre intuition, vos perceptions extrasensorielles et votre imagination. Prenez maintenant quelques instants pour laisser cette lumière bleu indigo avoir un effet positif sur votre troisième œil.
Nous sommes à présent au niveau de votre septième chakra, le chakra couronne. Il se situe au sommet du crâne. C'est le chakra de l'illumination et de la réalisation de soi. Le déséquilibre ou le blocage de ce chakra se traduit par un vide existentiel, un sentiment de doute. Imaginez une lumière violet qui passe au sommet de votre crâne. Vous ressentez un plaisir immense au ressenti de cette lumière. Elle vous réchauffe et influence positivement votre chakra couronne. Prenez quelques instants pour vraiment profiter de cette lumière violet qui vous connecte à la conscience universelle. Accédez naturellement à la conscience supérieure et profitez du voyage. Vos sept chakras sont maintenant complètement purifiés. L'énergie circule parfaitement en vous. Vous êtes conscient que vous avez une influence énorme sur votre corps, vos pensées, votre vie, votre destinée. À compter de ce jour, et ce pendant 21 jours au minimum, vous consacrez du temps pour votre bien-être personnel. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À chacun des chiffres que vous entendez, vous vous réveillez un peu plus. Lorsque vous entendez le chiffre 5, vous êtes totalement réveillé. 1, 2, 3, vous vous réveillez. 4, réveillez-vous. 5, vous êtes totalement réveillé et vos chakras totalement purifiés.